Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Gbedegbe de la Société des Missions Africaines. Commenté par le père Valéry Agou de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 31 à 42. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé.
Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt, il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent deux hommes avec cet appel. Viens chez nous sans tarder. Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voya Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donna la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi dont tu brisas les chaînes, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 6, versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent, cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même
que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est pas capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Les miracles accomplis par les apôtres dans les Actes des apôtres aident les gens à croire en Jésus. Pour pouvoir transmettre la foi, les apôtres doivent être en union intime avec le Christ. Rester en communion avec le Seigneur est important pour nous de devenir disciple de Jésus. Poursuivre le Christ, ce n'est pas de notre désir, de notre décision, mais celui de Dieu le Père, comme Jésus nous le fait savoir. Lorsque nous avons pris la décision de nous unir avec lui dans l'Eucharistie, là nous trouvons et expérimentons comme Pierre que la vie éternelle est en Jésus et en lui seul. Alors, mes chers amis, ne cherchons pas d'autres moyens pour atteindre Dieu, d'autres moyens pour le servir, mais ouvrons notre cœur à lui dans la charité donnée chaque jour à la rencontre de l'autre. Là, nous le rencontrons, là, nous l'expérimentons. Et là, nous vivons ce que lui-même nous donne. Que Dieu, qui nous aime, nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.